Eh bien le bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo qui va concerner World of Warcraft. Donc elle fait suite au tout premier épisode que j'avais posté il y a quelques jours. Alors comme vous pouvez le voir, le druide maintenant est niveau 29. Donc en fait j'ai pas énormément joué. Mais je me suis rendu compte que ça progresse extrêmement vite. Voilà. Par le biais des systèmes de quêtes, etc. Vraiment, ça progresse très très vite. Donc, j'avoue que d'un côté, je suis assez content parce que bon, ça m'évite de tout me retaper en fonte, en comble, etc. Mais d'un autre côté, je suis un peu déçu parce que je me rends compte que finalement, nous à l'époque, on passait quand même pas mal de temps à faire des quêtes qui nous rapportaient un peu d'argent, qui nous rapportaient un peu d'XP. Et là, quand même, maintenant, je trouve que c'est un peu démesuré. Enfin, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, automatiquement, vous gagnez beaucoup, beaucoup d'XP. Bon. Alors, chacun y voit son avantage ou ses inconvénients. Bon, peu importe. Voilà. Là, le but du jeu, donc, ça va être de monter le druide au niveau 30, donc assez rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai quand même un peu d'XP à faire. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se passer le générique. Et juste après, je vous explique tout. Ok, donc là j'ai quelques quêtes à faire. Donc là j'ai des registres à récupérer, des messages, etc. Là il y a certains petits trucs bon à récupérer. Ok. Alors chose que je voulais vous montrer également, c'est que on a la possibilité. Alors ça c'est vrai que c'est quand même pas mal parce que nous à notre époque ça n'existait pas ce truc-là. C'est que on a la possibilité de rentrer dans des donjons. Avec des IA, c'est-à-dire, je m'explique, voilà, je clique là-dessus sur recherche de groupe, je vais dans donjon avec sujet. Donc là ça veut dire que c'est l'ordinateur qui va dans ce cas-là remplacer le tank, le heal et des DPS par des IA. Alors bah, écoutez, le mieux c'est que je vous montre. Donc on va faire bah on va en faire un. Allez, on va faire Uldaman. Voilà. Allez, on va prendre ça. Donc là, vous voyez, je me mets juste en DPS. Voilà, je me mets ni en heal, ni en tank. Je pourrais le faire, hein, parce qu'avec le druide, voilà, c'est jouable. Mais là, je préfère me mettre en DPS pour aller plus vite. Donc, je fais trouver un groupe. Là, automatiquement, clac, ça tombe de suite. D'accord ? Donc là, hein, vous voyez, hein, il y a donc le petit drapeau, tac tac, ok, et vous rentrez de suite donc dans Uldaman. Donc là, ce qui se passe, c'est que donc on a un tank, on a un heal, et on a deux autres DPS. Comme vous pouvez le voir, il vous invoque même à la limite la possibilité d'avoir de la bouffe, de la mana, etc. Bon voilà. On va mettre un petit symbole à la limite sur le tank, histoire de l'avoir toujours sous surveillance. Voilà, ok. Donc là, a priori, dans cette instance, non, je n'ai pas de quête spécifique. Il y a 5 boss à tomber. Donc, vous avez un petit symbole ici, là, assistance pour les donjons. Donc qui va apparaître et automatiquement à partir de là vous lui dites soit d'attendre et à la limite vous pouvez tanker un peu si vous voulez, c'est à dire que vous pouvez pouler les mobs, etc. Ou alors vous lui dites de faire la tête brûlée et d'y aller. Et alors ce que je trouve un peu dommage, c'est que donc le système franchement est bien, il est même très très bien, voilà, parce que c'est vrai que quand vous êtes un joueur on va dire un peu solo et que vous avez besoin de faire certaines instances, ça vous évite de devoir attendre trop longtemps pour pouvoir entrer dans un donjon, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Le petit inconvénient, je trouve, c'est que, alors à ce niveau-là, voilà, aux alentours du niveau 30, c'est que l'IA
bah, est un vrai rouleau compresseur. Je vais vous montrer, hein, je vais pouler comme un gros porc. Voilà, hein, je vais récupérer plein de mobs, je vais voilà, et vous allez voir que bah, c'est limite même très difficile de crever, tout simplement. Hein. Vous allez vite vous en rendre compte. Donc là, je vais l'envoyer. Voilà, donc là, il va aller chercher. Voilà, et là, on va commencer, voilà, à mettre des petits coups de balayage. Alors, je vais pas m'emmerder, je vais déjà aller prendre la suite. Voilà, je vais forcément là où il y a le heal, automatiquement. Voilà. Ah, il a déjà poulé d'autres trucs. Allez, je vais même aller en chercher d'autres. Ouais, non. Alors, hop, je vais déjà récupérer ça. Ok, alors, là j'en profite pour dépecer un peu. Ok, il n'y a plus rien à prendre. Toc toc. Alors par contre, voilà, il faut impérativement faire gaffe que le heal suive. Hein. Parce que voilà, si le heal ne suit pas, bah, automatiquement ça va être très très compliqué. Alors non, je vais looter quand même, parce que là, bien sûr, si vous ne lootez pas, bah, vous passez à côté, hein, automatiquement. Hein. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre le troupeau. Alors, pendant qu'il poule, moi, je vais dépecer mes petites victimes, je récupère les pots, ça me fait monter les stats. Voilà. Alors je pourrais à la limite m'amuser là. Voilà, hop, je prends ça. Lui il est allé pouler la suite par là. Hop. Voilà, et ça c'est le genre de blague, si vous voulez, où bah, quand vous êtes dans un vrai groupe, vous pouvez pas trop vous amuser à ça, parce que si vous poulez toute la zone, bah déjà ça va pas plaire au tank, ça va pas plaire au heal, à moins qu'il arrive à suivre. Hein. Mais c'est surtout que ouais, voilà, là vraiment c'est poulé comme des gros porcs. Quoi. Alors là vous avez le boss. Alors on va attendre un peu quand même. Il est temps de donner une correction à ces cordiaux. J'ai un plein carquois de flèches et je vais m'en servir. Alors je vais même m'amuser. Hein. Voilà. Je vais aller prendre ça. Hop là. Ouais, eux, ils ont déjà poulé le boss. Donc comme vous voyez, ben franchement c'est pas bien difficile. Vous pouvez voir que la vie du tank ne bouge pas. Ou extrêmement peu. Donc bon, je veux bien que le tank soit bon, mais bon quand même quoi. J'ai comme l'impression que cette bagarre m'a éclairci les idées. Voilà, donc là tout est poulé. Hop. On vous filera un coup de main dès qu'on aura repris nos esprits. Allez, on récupère ça, ça marche. Donc là, on suit le tank. Là, ça a déjà été poulé. Allez, on va choper le reste. On va dépecer.
Allez, là on va tout choper. On va pas s'embêter. Vraiment, la vie ne bouge pas. Hein. Alors bon, quand même, il envoie de sacrées pralines, mais non, non, ça ne bouge pas. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va attendre l'ouverture de la porte. On sait comment ouvrir la porte, mais cette tête de pioche nous en a toujours empêché. Alors ça par contre, je connaissais pas. Ça c'est pour revenir au point de départ. Maintenant, voyons ce qui nous attend à l'intérieur. D'accord. Ouais, c'est original. Pourquoi pas? Alors, ils sont où? Ah, ils sont là, les voili, les voilou. Allez, on va choper la totale. On va même aller un peu plus loin. Par la poussage de tir, encore une porte verrouillée. Laissez-moi faire. Voilà, donc en fait il suffit de les pouler, de les ramener, le temps qui fait le reste. Allez, on est parti. Bon, ça sert à rien ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours un peu d'XP. Il reste toujours bon à prendre pendant ce temps-là. L'XP, elle monte. Ok. Alors, on va essayer de se le faire vitesse grand V. Il nous reste encore 3 boss à tuer. Allez, celui-là en bas, laissez peser, c'est fait. Ok, il n'y a rien d'autre à looter. Allez, hop. On va prendre ça, on va prendre le reste. Voilà, le but du jeu là, c'est vraiment de faire vitesse grand V. Alors là, c'est très très con. Alors, je dirais à la limite tant mieux, parce que comme ça, je vais vous montrer... Alors, j'ai un petit problème, ils sont passés où? Ils sont passés où, les vilains? Pourquoi ils sont plus là? Ah, c'est ballot, ça. D'accord. Ah ouais, alors s'ils sont à la zone de départ, c'est quand même très très médiocre, ouais.
Ok, bon, bah écoutez. Il est clair que si je vais là-dedans et que bah, il n'y a plus personne qui suit, oui, c'est franchement gênant. Enfin, c'est franchement gênant. Allez, on va y retourner. On va les attendre un peu. Bon, lui, normalement, je dois pouvoir me le faire. Alors. Allez. Alors, ce que je ne comprends pas trop, c'est pourquoi ils se sont barrés tout à l'heure. Parce que ça, normalement, c'est pas trop dans leurs habitudes. Et ça paraît bizarre. Allez, on va prendre son en face. Ok, allez. Go, on continue. On va essayer vraiment d'aller le plus vite possible. Normalement, on devrait level up, je pense. J'espère. Ok, ça marche. Allez, hop. On continue. Bon, là, de toute façon, je pense qu'il n'y aura rien à dépecer. C'est réglé. Ok. Alors là, par contre, on va avoir du matos à récupérer. Pendant ce temps-là, il continue de toute façon. Ça, c'est bon. Allez, on ouvre. Ok, allez, lui, on va le choper direct. Faire gaffe que les autres ils se retrouvent pas coincés de l'autre côté de la porte. Allez, il est bientôt fini. Ok, allez, ça c'est fait. Il reste plus que le boss de fin. Solo!
continuez à chercher et votre bonheur, quel qu'il soit. Alors, ouais, qu'est-ce qui va nous ouvrir, ça, hein. Ces trésors sont à nous, sur ce bon vent. Ouais, bon, pour l'instant, il n'ouvre rien. Allez, on continue. Ça rapporte quand même pas mal d'argent. Allez, on va chercher le reste. Là, de toute façon, il ne reste plus qu'un seul boss. Ça va être vite réglé. Allez, on va couler cela en même temps, comme ça, ça sera fait. Allez, c'est parti. Merde. Je me suis trompé de bouton. Les roquets d'Alextrasage. Je crains que votre reine ne doive oublier son butin. Le disque que vous cherchez est à moi. Attention. Allez, c'est parti. Allez, on va couler le reste. Alors que je fasse gaffe de pas mourir bêtement comme tout à l'heure. Voilà. Alors là, normalement, si vous voulez, un groupe, on va dire à peu près normalement constitué, ne s'en sortirait pas comme ça. Voilà. C'est là, franchement, c'est un peu abusé.
Vous regardez le tank, il y a les moments maximum, allez, il perd quoi, 10% de vie. Allez, on va looter, tac, 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 ok. Et donc là, on va arriver au niveau du boss. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir. Le disque est perdu dans les méandres du temps, et vous allez le rejoindre. Vous perdez dans tes lignes. Allez, c'est bientôt réglé. Fini. Vos efforts sont impressionnants et tout aussi vains. Les lignes temporelles convergent. Il ne restera qu'un seul aspect. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné un petit truc en cuir. Eh ben, je l'ai déjà. Ah, sauf que là, il est d'un niveau un peu plus élevé. Et oui, puisque de toute façon, ça s'adapte en fonction de votre level. Voilà. Donc, ben, on va le remplacer, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. Alors, il est parti où ? Il doit être là-dedans. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça marche. Bon, eh bien, écoutez. Ouais, alors, je n'ai pas encore totalement level up, bon c'est pas trop grave, c'était pour vous montrer surtout donc le système des donjons automatiques, donc ça franchement c'est pas mal du tout. Bon franchement si vous prenez un peu le temps, que vous suivez le tank normalement etc, vous avez zéro risque de mourir. Voilà, franchement, c'est pour mourir, il faut vraiment en vouloir. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait un peu l'andouille. Bon, il s'avère qu'ils avaient tous disparu. Je ne sais pas où ils étaient passés, voilà. Mais ouais, ils n'étaient plus là. Bon, c'est pas trop grave. Pour quitter l'instance, bah, c'est simple. Hein, vous faites un clic droit, quitter le groupe d'instance. Et là, automatiquement, hop là, vous allez vous retrouver téléporté là où vous étiez auparavant. Voilà, tout bêtement. Bon, voilà, donc petit rappel, si jamais vous êtes intéressé pour jouer avec nous, vous n'hésitez pas, vous venez sur le Discord, on en parle, voilà, je suis très intéressé à la limite pour faire également du classique Cataclysme, ou du classique tout court, enfin, voilà, ouais. Un petit coup d'œil à Tanga, donc alias Fred, voilà, qui propose souvent de l'aide. Ça, c'est très très gentil de sa part. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu. Si jamais ça vous redonne un peu envie de jouer à WoW, ben, surtout n'hésitez pas, hein, tentez un peu la chose, tentez un peu l'expérience. Voilà, ça n'engage à rien. Hein. Bon, voilà. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, et je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, salut !